Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ben, ce sera une vidéo achat récent. Mais du coup, ben, ce sera une vidéo d'achat spécial Noz et deux DVD que j'ai récupérés à la cabane à dos. Bon, ben, du coup, il y aura du DVD, série télé, il y aura du Blu-ray 4K, ben, un jeu de PS4 et des CD. Bon, ben, du coup, on va enchaîner avec un DVD Blu-ray DC Comics. C'est Superman Remson. Voilà. Avec la petite figurine. Ben, je vous montre. Voilà. DVD là, mais il y a le DVD et le Blu-ray. Plutôt cool. Ça fait toujours plaisir. Après, on enchaîne avec deux Blu-ray. C'est Kung Fu Panda, le premier. Voilà. La légende d'Hercule. Voilà. Maintenant, on enchaîne avec deux Blu-ray 4K. Alors là c'est Storks. C'est Sigogne et compagnie. Voilà. Parce que j'ai un projet de m'acheter une télé 4K avec le lecteur avec le lecteur qui va avec. Alors là, mais le Blu-ray et le 4K. Là, encore un Blu-ray 4K, c'est Batman et Harley Quinn. Voilà. Plutôt cool. Je suis très contente. Voilà, le Blu-ray et le 4K. C'est tout pour les Blu-ray 4K. Maintenant, deux DVD que j'ai récupérés. C'est Left Banks. C'est Mal absolu envahit la ville. Voilà. La Belle et la Bête. Voilà, les deux films que j'ai récupérés gratuits, que j'ai gratuits. Là c'est Méga Prédateur. Voilà. Là c'est The Express. C'est d'après une histoire vraie. Voilà. Lego Star Wars, les contes des droits, volume 2. Là, les deux premières saisons d'une série Lego animée, c'est Nexo Knight saison 1 et la saison 2. Une petite série télé, c'est Tearstone saison 1, enfant victime suspecte. Voilà. Superman contre l'élite. Un DVD édition collector, c'est Contamination. C'est. Voilà. Plutôt cool. Un petit film, Les aventures effrayantes de Scooby-Doo. Voilà. On enchaîne avec deux DVD animés Lego. Alors, The Flash. Et Aquaman. Voilà. On enchaîne avec Johnny Hallyday, l'idole des jeunes. Parce que ça pouvait pas attendre. Bugs Bunny, Joyeuse Pâques. L'assistant du vampire. Voilà, on enchaîne avec un jeu de PS4, FIFA 17. Voilà. Maintenant on enchaîne avec des CD, c'est The Song of 50 Cent. Voilà. Musique inspirée Bing Da Vinci. Le Pietra
Chez le chanteur, voilà. The Modern Pilgrim Song. Ben voilà, une petite musique. Et Vera Lynn. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser aussi, il y a de la lecture. Mais il y a beaucoup de livres, alors du coup, ben, je me bouge. Voilà. Là, c'est la belle. Là, c'est Comme des bêtes. Voilà. Et un livre que je suis très contente d'avoir, c'est Les pirates avec le DVD. Ça, c'est plutôt cool. Je vous montre vite fait l'intérieur, comment ça se présente. Voilà. Avec le DVD. The Full Monde, le grand jeu. C'est un livre tiré d'un film. D'un film comédie musicale. Baby Farmer, l'histoire de Domino. Voilà. Aux éditions Livre de Poche. Donc, Dan Carter, c'est un livre sur le rugby. RJ Papillon de nuit, Olori. C'est aux éditions Livre de Poche. Les âmes grises aux éditions Livre de Poche. Michel Criston, la proie aux éditions Pocket. Douglas Priston, Jenny aux éditions J'ai lu. Et les extraterrestres aux éditions J'ai lu. Voilà. Lincoln Chin, The Deep Storm aux éditions J'ai lu. En plus, c'est un livre tiré de film qui est passé sur la 13e rue. J'ai adoré d'ailleurs. Priston Chin, c'est Comme survivre aux éditions J'ai lu. Ange et démon avec Dan Brown aux éditions Pocket. Douglas Priston. T-Rex aux éditions J'ai lu. Ma vie sportive. Histoire mystérieuse aux éditions Folio SF. Martin Grimm, une haine aveugle aux éditions Pocket. Moro Fix aux éditions Plomb. Un livre Dan Brown d'origine. Le prince dur, une histoire de jongleur. Nouvelle histoire pressée. Drogue et dépendance, ah ben ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est bien de lire ça. Là, une petite collection de l'Institut. Vanessa, la petite dormeuse. Ah ben moi, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Concerto pour Guillaume. Le mot de passe. Une seconde chance. J'aime lire ma révolution. Lire est une aventure. Vincent Humbert aux éditions Michel Lafon. Jolie et en forme. Voilà, ça c'est plutôt pas mal pour faire des petites exercices. Exercices, franchement, c'est plutôt pas mal. Un livre que ma mère m'a commandé sur Amazon. C'est un youtubeur que j'aime beaucoup. C'est Tremblay, des histoires criminelles vraies et flippantes. C'est Mzeski. Voilà. Aux éditions Hachette. Franchement, j'adore ce. J'ai hâte de le lire. Un livre, je joue aux échecs. Ben voilà, ça c'est plutôt pas mal. Mais pour les fans de jeux de société, pour moi c'est parfait.
un livre que je me suis acheté. C'est de Jérôme Loubry, c'est Le Soleil et 200 éditions livres de poche. Les pistolets de sans-atout. L'action de la destruction. Le salaire de la peur aux éditions Pocket. La guitare. Georges Elisabeth, c'est un nid de mensonges. Cannibale aux éditions Folio. Cochon d'Inde. Voilà. Karine Gebel, Meurtre pour Rédemption, aux éditions Fleuve Noir. L'encyclopédie du bricolage, ben ça, je sais pas si je vais le garder. Ben, je vais aller le déposer. Crédit Fric à Brest. Michel Crichton Next aux éditions Pocket. Le monde de la portée des jeunes, c'est la rivasse des machines. Voilà. Je vous montre. Voilà comment ça se présente. Voilà. Un livre Trivial Poursuite, ça c'est plutôt pas mal. Trois livres que ma mère m'a pris sur Vinted, parce que ben voilà. Trois livres de Stéphane Bourgo, édition L'Homme. Le Point, c'est Mes conversations avec les tueurs. Tueurs et les meurtres qui ont marqué l'histoire. Le livre noir des serial killers. Deux atlas de zoologie. Judo. L'orque. La légende des Templiers, l'épée aux éditions Pocket. John Verdon, c'est N'ouvre pas les yeux aux éditions Livres de Poche. L'implacable haute tension. La guerre des boutons aux éditions Folio. Les repères des rats aux éditions Pocket. Les rats aux éditions Pocket. Marie Carreur Ginklax, c'est 3 jours avant Noël aux éditions Livres de Poche. La bataille de l'éternité. Michel Crichton, c'est État d'urgence aux éditions Pocket. Le corps humain. Voilà. Deux livres que ma mère m'a pris sur Amazon, c'est Tourner cet enfant qui ont basculé, affaire criminelle. True Crime France. C'est de vraies affaires criminelles. Donneur saint aux éditions Livres de Poche. Un petit Stephen King, La tempête du siècle. Warlord aux éditions Folio Hachette. Un petit Bernard Minier n'éteint pas la lumière aux éditions Pocket.
John Grisham, c'est le dernier juré aux éditions Pocket. Un petit Jean-Christophe Granger, c'est l'Empire des loups. Je crois que je dois l'avoir. Il me semble que je dois l'avoir, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Voilà. La cité des hauts remparts. Et l'Empire des rats aux éditions Pocket. Seconde fondation aux éditions Folio SF. Renégat Fantaisie aux éditions J'ai lu. Là maintenant, on clôture la vidéo avec quatre magazines. Là, c'est le nouveau détective. Histoire vécue fait divers. Le nouveau détective. Et le nouveau détective mystère et paranormal numéro 3. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. Achat et récup. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des films et des livres que vous avez vus et lus. Et ça m'intéresse beaucoup. On se retrouvera demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao!